Esther. Mon territoire foisonne de belles énergies et j'ai créé Esperluette pour vous inspirer et vous donner envie de vous lancer à votre tour. Une des clés pour avancer, c'est de se sentir bien à l'intérieur de soi. C'est pourquoi j'ai proposé à Myriam Mendy, enseignante de Kundalini Yoga, d'enregistrer une fois par mois ses petites pauses méditation. Une bulle de bien-être de quelques minutes que vous pourrez vous offrir plusieurs fois dans le mois selon vos envies. Bonne écoute! Si vous démarrez cette écoute, c'est que vous avez envie de faire une pause intérieure. Vous pouvez méditer n'importe où, au bureau, chez vous, dans votre voiture à l'arrêt. Peu importe, dès l'instant où vous êtes dans un endroit calme et que vous stoppez complètement l'activité que vous faites. Vous pouvez pratiquer assis en tailleur sur un coussin ou assis sur une chaise. Dans ce cas, vos jambes doivent être décroisées, les pieds reposant bien à plat sur le sol. Vous devez être confortable dans vos vêtements, ils ne doivent pas vous serrer. La méditation dure 7 minutes. Fermez vos yeux, laissez-vous guider. Vous avez rendez-vous en terre intérieure. La méditation que je vous propose aujourd'hui s'appelle Méditation pour un cœur calme. Elle est inspirée d'une méditation de Kundalini Yoga donnée par Yogi Bhajan. Vous êtes assis, votre dos est bien droit. Fermez vos yeux. Étirez votre colonne vertébrale, rentrez légèrement votre menton, la tête bien droite, pour protéger la nuque. Votre bouche est fermée. Pendant toute la durée de la méditation, respirez uniquement par le nez. Relâchez votre ventre. Détendez vos épaules. Desserrez vos mâchoires. Et commencez une respiration ample et profonde. À l'inspire, votre ventre se gonfle, votre buste se soulève, vos épaules s'étirent. À l'expire, vos épaules se relâchent, votre buste redescend et votre nombril rentre à l'intérieur comme pour toucher votre dos. Continuez à respirer amplement. Tout en visualisant cette zone au niveau du sternum, au milieu de la poitrine, l'endroit où se loge votre cœur, cet organe si important pour vivre, si beau et si mystérieux à la fois. Puis vous allez poser vos mains au centre de la poitrine, main droite sur main gauche, paume à plat l'une sur l'autre. Sentez les battements de votre cœur et continuez en respirant naturellement. Soyez centré à l'intérieur de vous-même et ressentez un calme profond s'installer en vous à chaque nouvelle respiration. Puis vous allez lever votre bras droit sur le côté, comme pour prêter serment. La paume est tournée devant vous, la partie entre votre épaule et votre coude est parallèle au sol. Et à partir de votre coude, vous avez l'avant-bras qui se positionne vers le haut, perpendiculaire au sol, de manière à ce que votre bras forme un angle droit parfait. La main droite pointée vers le haut, mettez votre pouce et votre index en contact, tout en gardant les autres doigts tendus. C'est un mudra qui favorise la paix, le calme et la réceptivité. Votre main gauche est toujours posée sur votre cœur, paume à plat sur la poitrine. Ne contractez pas vos épaules, relâchez les tensions. N'engagez que les muscles que vous avez besoin d'engager pour tenir votre bras. Et de nouveau, concentrez-vous sur le flux de votre respiration. Vous allez inspirer lentement et profondément par les deux narines sur quatre temps. 1, 2, 3, 4. Puis restez poumon plein quatre temps. 1, 2, 3, 4. Et expirez en douceur et progressivement sur quatre temps. 1, lorsque vous êtes au bout de l'expiration, gardez poumon vide 4 temps. 1, 2, 3, 4. Puis recommencez le cycle. Inspirez doucement.
Restez poumons pleins. 1, 2, 3, 4. Expirez lentement. 1, 2, 3, 4. Restez poumons vides. 1, 2, 3, 4. Inspirez doucement. 1, 2, 3, 4. Restez poumons pleins. Expirez lentement. 2, 3, 4. Restez poumons vides. 2, 3, 4. Inspirez doucement. 1, 2, 3, 4. Restez poumons pleins. 1, 2, 3, 4. Expirez lentement. Restez poumons vides. 1, 2, 3, 4. Continuez ce rythme respiratoire profond en comptant dans votre tête. Votre respiration s'installe doucement. Gardez bien votre bras droit en angle droit. Visualisez-vous dans la posture. Et prenez soin de rester le dos bien aligné, le menton légèrement rentré, la nuque étirée. Vous pouvez commencer à ressentir des difficultés. Concentrez-vous sur votre respiration. Concentrez-vous sur le point de contact de votre paume sur la poitrine. Tenez bon. C'est une méditation puissante qui, sur un plan physique, régule votre force vitale dans vos poumons et votre cœur. Et au-delà, cette méditation apaise les émotions et permet un meilleur rapport aux autres et aux événements extérieurs. Continuez. Visualisez à l'inspire cette énergie nouvelle qui alimente votre cœur, comme une lumière blanche qui vient l'entourer. Et à chaque nouvelle respiration, visualisez cette lumière qui grossit comme une boule de feu et qui grandit sous votre main, s'expanse, se développe à partir du cœur. Puis vous allez prendre une grande inspire. Restez poumons pleins. Réajustez la posture. Tenez bon. Expirez. Et baissez doucement vos bras droits. Venez poser vos mains sur vos genoux. Et restez un moment méditatif. Ne partez pas dans vos pensées. Restez concentré. Et observez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez le calme qui émane de votre cœur. Inspirez, connectez cet état d'être. Expirez. À chaque fois que vous ressentez des émotions difficiles lorsque vous êtes seul ou avec les autres, cette méditation vous aide à revenir au centre, vers plus de sérénité intérieure. Merci. Merci d'avoir pris ce temps pour vous.